Salut, c'est Ben Soto du groupe Heavenly. Salut, c'est Olivier Lapose du groupe Heavenly. On a sorti Virus cette année et on aimerait bien que vous l'écoutiez tous. En 2004, on a sorti Dust to Dust. Suite à cet album-là, on a donc splitté. Donc je vais vous présenter Olivier Lapose, nouveau guitariste du groupe. Parce qu'avec Ben, on a des copains communs. Et quand Ben cherchait des musiciens, bon, on m'a passé mon son contact, il m'a appelé, j'ai envoyé une démo et je suis rentré de là. On a eu Thomas Dasneves à la batterie et Mathieu Plana à la basse. On a travaillé dur, on a senti Virus et on est super content du résultat maintenant et dernier album. Je pense pas qu'on soit démodé, sinon on serait plus là. Je pense que quand même c'est un petit peu perdu ce côté speed metal, heavy metal, un peu joyeux même. Il y a peut-être 4-5 ans, ça marchait mieux, il y avait un gros engouement. D'ailleurs, il y a eu plein de groupes qui sont arrivés d'un coup, on est devenus nombreux. Mais bon, c'est vrai qu'il y en a eu beaucoup et qu'on sent que ça se casse un peu la gueule, un petit peu on va dire. En fait, Ben écrit toujours la majorité des morceaux, donc c'est simple, le principe il est simple pour la composition de Heavenly. Il nous envoie une démo, enfin il nous donne une démo avec les lignes directrices des morceaux, et après chacun greffe sa patte dessus. Quoi. Je pense qu'avant il y avait beaucoup de choses qui disaient que des fois on pouvait s'ennuyer sur un morceau, je voulais peut-être souvent trop en mettre côté orchestration, faire des non-passages, tout ça. Là sur Virus on a dit bon allez c'est clair, on y va, on rentre dedans, et puis voilà, c'est couplet, break, refrain, mais... Bon, y a peu de groupes quand même qui ont inventé des choses ces dernières années. Il y en a qui ont apporté leurs petits trucs. On essaie d'apporter le nôtre. Maintenant, c'est vrai que on se pose pas la question en fait. Quand ça ressemble trop à quelqu'un, on le sent et on dit là, faut qu'on change quelque chose, sinon c'est trop flagrant. Et même en faisant ça, on nous dit ah, ça ressemble à ça, ça ressemble à ça. Et voilà. Et puis on dit bah ouais, bah il faut le changer, tu vois. Non, on s'arrête pas là-dessus, quoi. Nous, on fait de la musique, on fait ça pour s'amuser, on se prend pas la tête, on dit pas qu'on est les meilleurs au monde, on n'est pas les meilleurs musiciens, je suis pas le meilleur chanteur, je suis pas le meilleur compositeur. On fait ça pour s'éclater, tout simplement. Après, on nous aime, on nous aime pas. C'est ça aussi, le fait que tu te mettes en avant, bah, tu prends le risque de te prendre des claques, hein. Ça fait partie du métier. On a eu pas mal de bonnes réponses de la presse et des médias. L'album... Pour l'instant, quoi. On verra maintenant par la suite ce que ça va donner, mais on a vraiment un bon accueil, quoi. Très bon accueil. Côté japonais, ça a vraiment bien marché, quoi, pour nous. Ouais. C'est vrai que les japonais, bon, c'est la première sortie qu'on a eue, et les fans étaient fous. On a vraiment fait, ça a bien marché pour nous, quoi. Au Japon, ensuite en France, bah, ça a l'air de fonctionner. Bon, après, c'est des échos qu'on a, c'est assez compliqué, quoi. Mais ce soir, on va se rendre compte par nous-mêmes, quoi. On va voir si le public est vraiment chaud, quoi. Les tournées, de toute façon, c'est ce qu'il y a de mieux, c'est là où on s'éclate le plus. On a des petites choses de prévues à droite et à gauche. On a eu confirmation qu'on joue au Hellfest. Déjà, ça vous a fait plaisir. Mais bon, pour l'instant, il n'y a encore rien de concret. On attend dans les semaines pour être sûr. Et à ce moment-là, on annoncera les choses, quoi.